Zami mwen, eske ou genyen yon ide de fòm sa yo ke nan yo site dan les evanjil? Ebyen, justeman, nan numero 1018, nan rubrik wa, Mabib, mon trésor, nou prale do fè plus konesans avèk fòm sa yo ke nan yo site dan les evanjil. Bon, se vre, jusqu'ici, nou tap site yo les om, les apotre de Jésus. Men nou konen trè byen. La femme est une pièce indispensable. Yo te présent également dans ministère Jésus et yo te occupé yon place très important. Et c'est comme ça dans les évangiles nous trouvons quatre femmes qui te porté nom Marie et yo te très proche de Jésus et du groupe des 12. Premièrement, nous trouvons Marie de Béthanie. Elle était la sœur de Marthe et de Lazare. Dans les évangiles, premier côté nous rencontrer Marie, c'est la caille seule, Marthe, côté que Jésus ak disciples te rendent visite. Et rapidement, nous allons découvrir l'intelligence de Marie. Elle était assise au pied de Jésus. Ça veut dire, premièrement, l'étape jouit de la présence du Maître. Elle donnait priorité à cette présence qui change les vies et les destinées. Deuxièmement, elle écoutait attentivement les paroles et l'enseignement de Jésus. Le Seigneur Jésus te félicité en disant qu'elle a choisi la bonne part. Elle a choisi d'être proche de son Seigneur. Elle a choisi d'apprendre de son Seigneur. Et cela ne serait pas ôté à Marie. Au capable lit, Jean chapitre 11 verset 1er, Luc chapitre 10 verset 42, et n'a souligné également, c'est Marie de Béthanie qui t'a acheté un parfum de grand prix. Il t'a vidé sur les pieds de Jésus, et t'a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Marc, chapitre 14, verset 3, Jean, chapitre 12, verset 3, Matthieu, chapitre 26, verset 6 à 13. Qualité geste ça que Marie de Béthanie t'a fait, montrez-nous très clairement, honorer et adorer le Seigneur Jésus n'a pas de prix. Youn nan lot comportement qui attire attention nous, la caille Marie de Béthanie, cette femme tout à fait spéciale, c'est le Jésus vini dans le mot Lazare. Ici, nous dans Jean chapitre 11, les mortes fait appel à Marie pour le dire sauver Allah rapidement. Marie laisse moun qui te vin tenter consoler lui. Li couri à joindre Seigneur, la source de toute consolation. Deuxième femme qui portait nom Marie, que nous joignons dans les évangiles, c'est Marie, la mère de Jacques et de Joseph. Tradition révèle-nous que Marie, la mère de Jacques et de Joseph, était la femme de Cléopas, dont il est fait mention dans Luc chapitre 24, le verset 18. Marie, la mère de Jacques et de Joseph, assisté à trois autres événements qui ont rapport avec Jésus et qui certainement t'appellent marquer la ville. Marie était près de la croix, là où t'as crucifié Jésus. Matthieu, chapitre 27, verset 56 et verset 61. Marie, la mère de Jacques et de Joseph, était également présente, là où t'as embaumé ou bien enseveli le corps de Jésus. Marc, chapitre 15, verset 47. Et troisièmement, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, le premier jour de la semaine après la mort de Jésus, li te gagné le privilège pour être capable d'expérimenter une preuve irréfutable de la résurrection de Jésus, le tombeau vide. Marc, chapitre 16, le verset 1er. Les évangiles pral révéler nous yon troisième femme qui te porté nom de Marie. Ou du moins Marie-Madeleine. Femme ça t'a pral bénéficier yon grand miracle du Seigneur. Le Seigneur t'a chassé dans la vie femme ça sept démons. Marc chapitre 16 verset 9, Luc chapitre 8 le verset 2. Et c'est également Marie-Madeleine qui est la première femme à voir Jésus ressuscité. Jean chapitre 20 verset 1 à 18.
qu'on y a zami mwen, ou ap d'accord ensemble avec mwen. Femme également capable de faire un pile belle expérience avec le Seigneur Jésus. Yo capable jouer un pile privilège. Et c'est ça qui fait notre mandat tant pris. Rete branché ensemble avec nous, parce que dans l'autre numéro 1, nous pral présenter également d'autres femmes mentionnées dans les évangiles. Merci et à la prochaine.